Et à tous, chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Formula One 2003, le meilleur de la série des Formula One, comme tout le monde le sait. C'est faux. Du coup, on va démarrer un mode championnat. Alors, je vais vous mettre les options parce qu'on va quand même régler un peu tout ça. Au niveau de l'affichage, on va mettre en 16-9e, puisqu'on est en 16-9e, puisque là, ok. Position de l'écran, on va laisser comme ça. L'audio. On va laisser un peu par défaut. Je pense que j'ai baissé un peu les effets pour qu'on entende les commentaires TV qui sont pas très audibles dans le jeu. On va faire configuration de la manette par défaut. Je pense que c'est bon. Normalement, c'est OK. Priorité manette, OK. Réglage. Option de simulation. Donc, on va mettre les drapeaux. On va mettre les pannes, les dégâts. La difficulté de lien, on va mettre en moyen. Distance de course, on va rester 1 sur 3, puisque ça fait quasiment 20 tours. Le 1 sur 3 fait 20 tours, ouais, c'est déjà pas mal. La météo, je mettrai bien variable. On va mettre aléatoire, hein, je pense qu'on va laisser aléatoire. Ouais. Configuration d'écran, la dible de vitesse, ça en automatique, donc on va laisser comme ça. Mode caméra cockpit, ça on va laisser comme ça. Et au niveau de l'écran, on va pas mettre info max, on va mettre quart de circuit, on va le laisser. Par contre, les virages, on va les enlever. Ça sert à rien. Et là, j'ai vraiment toutes les options. On va laisser comme ça. Je pense que c'est pas mal. On va faire accepter. Voilà, bah écoutez, on va laisser comme ça. On va faire retour. Et on va démarrer un mode championnat. Championnat del mundo. Alors du coup, bon, ça fait au moins la 30e fois que je recommence la vidéo, hein, ça vous le savez pas forcément, mais moi je le sais, simplement parce que le jeu a fait une fameuse tendance à planter, bah, à planter entre les séances, donc ça c'est génial, j'adore, on va trop s'éclater les gars. Donc on a la saison 2003 avec donc la Ferrari, la Williams, la McLaren, la Renault, la Sauber Petronas, la Jordan, le Jaguar. La barre, la Minardi, et du coup, on revient sur Toyota. Alors, Toyota, on l'a fait déjà dans la saison 2002 sur F1 Challenge, je sais pas si vous vous souvenez, ça commence un peu à dater. La Ferrari, ça va être trop puissant. Williams non plus, vous savez que j'aime bien prendre la difficulté. Renault, on va se le garder pour une autre saison. Ça auberge, j'hésite. Je pense qu'on va partir pour une fois, ça fait longtemps qu'on l'a fait chez Minardi. Je crois qu'on n'est jamais allé chez Minardi. Et on va prendre Justin Wilson. Alors, Justin Wilson, non, on va prendre le père de vous savez qui. Un pilote qui est double champion du monde, qui s'appelle Max. Et ben on va être parti du coup pour cette séance de qualification. Alors c'est les séances de qualification de 2003. Donc qui dit de séance de qualification de 2003? Autant vous dire que ça se fait en deux fois à l'époque. Et c'était du tour par tour. Et c'était hyper intéressant à regarder à l'époque. Franchement, pour moi, c'est les meilleures qualifications ever. Mais le petit souci de ces qualifications, c'est que ben, en fait, c'est chacun son tour. Et en gros, bah, comme on le sait tous, un circuit ça évolue au fur et à mesure du temps. Donc soit il y a de plus en plus de grip sur la piste, soit le temps se dégrade, soit il s'améliore. Et du coup, bah, c'est pas super faire. Et c'est pour ça qu'il y avait deux manières de faire les deux séances de qualification. Dont une du vendredi qui déterminait l'heure d'après-passage pour la deuxième séance de qualification. Donc sachant que je crois que si on faisait le dernier temps, on partait en premier, et si on faisait le premier temps, on partait en dernier dans la séance de qualification la dernière séance de qualification. Donc là, vous pouvez le voir, il n'y a rien pour le moment, on voit le circuit. Le jeu, bon, vous allez vite vous en rendre compte, est pas spécialement bon. Mais on fera avec, hein. Écoutez, hein. This is living. Schumacher à partir pour son qualification, on s'en fout. On va du coup faire passer aux joueurs. Et on va du coup, alors je peux aller dans le garage, on peut faire des réglages, je vais laisser, je pense, par défaut, la seule chose que je vais modifier, je pense, c'est la hauteur de caisse faible. Voilà. On va laisser par défaut comme ça. Les types de pneus, on va garder les pneus secs. Je ne sais pas s'il y aura une usure des gommes, sachant qu'il y aura quand même 10 tours à faire. Ok, de toute façon, j'ai du roue souple. Ok. Oui, on va quitter sans sauvegarder. Et du coup, on va commencer la séance de qualification qui va être très particulière. Donc on est en mode 16-9. Hein, donc normalement, ouais, la voiture va être un peu moins large que prévu. Autre chose que j'ai fait comme modification pour rendre le jeu un peu plus jouable,
Quand je dis un peu, c'est vraiment en utopie. Hein. C'est que j'ai surtout baissé la sensibilité du joystick. J'ai baissé le son. Alors pas du son du jeu, parce que vous, ça devrait aller. Mais le son de mon côté. Et du coup, la sensibilité, ouais, pour pouvoir jouer enfin une bonne fois pour toutes avec le... Pas la croix, mais vraiment avec l'analogique. Donc ça, c'est bien. Ça permettra d'être un peu plus... Voilà, ici, je serai un peu plus fluide. Ça va moins faire des effets gauche-droite tout le temps à la manette, qui sont assez horribles. Mais en revanche, bah, je vais quand même avoir des à-coups qui sont élevés dans les virages. De toute façon, le jeu, vous allez voir les IA... Enfin, le jeu, de toute façon, est mauvais. Mais je me dis que mauvais ou pas, on va quand même essayer de voir ce que ça donne. Et j'aimerais pouvoir avancer dans le jeu, c'est-à-dire avancer dans le jeu, bah, pas que le jeu crache entre les séances. De toute façon, cette vidéo sera même montrée, même si il se passe rien à la fin. Parce que je veux que vous connaissiez ce que c'est le désespoir. J'ai préparé des vidéos 2 ans avant, et en fait, se rendre compte que bah, y a toujours un truc qui te bloque. Donc c'est parti pour la séance de qualification. Donc là, on a fait un tour lancé, et en coup, on va faire un tour en je sais pas combien. Alors j'ai bien sûr plusieurs vues, je vous les montre rapidement. Cette vue qui est plutôt bien faite. Par contre, le son ne change pas entre les caméras. Ça, c'est encore un truc très bien fait dans le jeu. Après, malheureusement, en 2003, c'était l'époque où Sony avait l'exclu sur la F1. Donc du coup, qui dit exclu, dit bah, qu'il n'y avait qu'eux qui pouvaient faire un jeu avec la licence. Donc, à part si vous aviez un jeu sur PC avec des mods, bah, c'était fini, quoi. EA Games n'avait plus la possibilité de faire des jeux, et même les autres concurrents à l'époque ne pouvaient pas le faire non plus. Et ça a un peu cassé le marché, et d'ailleurs, fin 2003 prouve bien que si... le fait d'avoir licence, d'être le seul à pouvoir la vendre, bah, ça aide à faire des jeux pourris, quoi. Alors je peux régler à côté le traction control en bas à gauche, et je peux aussi régler le freinage. Je sais pas ce que ça va donner, potentiellement ça va faire un bon temps ou pas. Bon, on n'a pas la voiture pour gagner le championnat, je pense que vous en doutez. Par contre, peut-être qu'on pourra marquer des points. Et d'ailleurs, en parlant de points, on a fait le premier temps de la séance. Revenons au garage. Mon dieu, on a fait le meilleur temps, c'est incroyable tout ça. Donc là, on a Damata qui a fait son tour. Et quand vous voyez la webcam, vous rendez compte, enfin la caméra, pardon, vous rendez compte que bah, l'IA, une trajectoire à vitesse de l'IA, c'est totalement ridicule. Vous voyez comment on va tourner vite d'un coup. Hop. Du coup, fin de partie, et on va du coup passer maintenant à la qualification du samedi, parce que si je fais ça, je ne peux pas, je veux pas avancer, je suis obligé de faire la qualification pour aller à la suite. Donc on va passer aux joueurs, on est où déjà bah c'est nous qui allons commencer, parce qu'on a fait le meilleur temps. Alors là, ça commence bien, on a fait le meilleur temps. Mais ne vous faites pas d'idées trop hâtives, ce n'est pas parce qu'on a fait le meilleur temps en qualif qu'en course, ça sera la même. Vraiment. J'espère en tout cas que le jeu tiendra jusqu'au bout. Au moins la course, quoi. Parce qu'après, bon, si ça passe pas entre les deux, j'ai rien de te dire. Je rechargerai le championnat, mais bon. A savoir que j'ai eu le même problème sur la fin de 2001 d'hier. Le même problème, alors je l'avais expliqué dans le Discord, mais ceux qui ne sont pas sur le Discord ne peuvent pas le deviner. La série sur la Forest Grand Prix, elle s'arrête tout simplement parce que. Bah, le jeu lag déjà, donc ça rend le jeu complètement jouable. Et en plus, bah, c'est le même problème que j'ai eu pour la Dreamcast, c'est-à-dire qu'en gros, eh bah, quand on met le mode aléatoire au niveau du temps, bah, en fait c'est toujours le même scénario. C'est-à-dire qu'au début il fait beau, il pleut, puis après il va s'arrêter de pleuvoir dans les derniers tours, et puis terminé. Du coup on aura, en fait on aurait eu 17 courses pareil. Il n'a aucun sens. En tout cas, je trouve qu'on sort pas trop mal. C'est pas évident d'être assez précis, parce que comme vous voyez, là, ça roule, ça tourne très vite d'un coup, donc bon. Bon, après, je commence quand même à avoir de plus en plus d'aise, donc ça, c'est bien. Mais ça, c'est à force de m'entraîner 10 fois pour faire cette vidéo. Et en plus, je sors de la piste. Et je crois que j'ai cassé quelque chose, non? Je sais pas, il y a une roue un peu rouge, là. Bon, j'espère que ça va pas poser de problème. Je vais faire mon tour lancé.
Alors j'ai laissé les réglages que vous avez vu pas forcément, enfin un peu par défaut. Je me suis rendu compte qu'en les modifiant en fait c'était pas forcément une bonne idée quand j'avais fait les essais. Donc bon, on va faire ça. Hein. Pas de réglage par défaut. Alors évidemment quand on sera sur les circuits, enfin si on arrive à passer le cap de passer une course sur les circuits rapides, bah, on prendra des réglages pour aller vite quoi. Attendez, j'ai 2 secondes de différence, là, c'est une blague. Ah mais après je suis premier. Pour m'a lancé donc évidemment. Alors le son de la F1 est dégueulasse hein, aussi. Ouah papa papa. Oh pouf pouf pouf. Mais je suis parti instantanément. Et j'ai du bol de pas péter la voiture. Bon, ça va pas être un tour énorme parce que du coup je me suis raté dans le dernier secteur. 1 seconde 7. Et du coup, bah ouais, mais du coup c'est 1 seconde 4 quoi. On est 14e, donc normalement on partait 14. Je vais faire fin de partie, j'espère que le jeu va pas crasher. Bon pour l'instant ça va. On est pas mal. Je vais lancer la course en espérant que ça fonctionne. Alors là, le jeu s'est arrêté net, mais ça ne veut pas dire que ça a crashé. Voilà, là, c'est bon. Donc c'est parti, on va partir 14e sur la grille de ce Grand Prix d'Australie 2003. Et je crois que j'ai... Alors bon, j'ai pris une pénalité dès le début, j'ai pas fait gaffe. Alors du coup, je ne sais pas ce que c'est la pénalité. Bah normalement, je dois aller dans les stands... Attendez. Non. C'est la question, attention. Oh là là là, freinage. Pour l'instant, on va essayer de remonter le plus vite possible. Normalement, j'ai 3 tours pour faire un arbre stand. Mais vu le temps perdu avec les IA devant, je pense qu'on va s'arrêter au premier tour. Je fais n'importe quoi. Allez, ça commence. On va essayer de se reconcentrer là. Pour l'instant, on est 14e, voire même 15e. Comme je disais plus tôt, je n'ai pas la voiture pour aller forcément vite en ligne droite. Hein, donc les IA vont aller beaucoup plus vite que moi. Enfin, en tout cas, les équipes meilleures, autant dire quasiment toutes finalement. Alors on est chargé en essence, normalement c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. Enfin l'inspiration sur la Jaguar. Je sais pas, normalement j'ai 3 tours pour m'arrêter au stand, donc si j'ai 3 tours... Si j'ai 3 tours pour m'arrêter, je peux faire ça un peu plus tard. Je sais pas au niveau du temps ce que ça va donner, donc pour le moment je vais attendre un peu. Je vais attendre un tour et on s'arrêtera au prochain. Parce que je sais pas, si par exemple il se met à pleuvoir ou j'en sais rien, bah écoute, je pisse pour m'arrêter, que ça ne fasse pas trop perdre de temps. Du coup, 14e, on va ressortir super loin, hein, je pense, si on s'arrête maintenant. Bon, le freinage, ouais, c'est bon, ça va passer. Oh 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 oh. Alors, c'est touché légèrement. Je pense que ça va être assez plo-plo à Monaco si on y arrive. Bon, ça va. Pour l'instant, j'ai un rythme qui est correct quand même. Bon, je m'arrête encore dans ce tour ou je continue? Oh, je suis passé aux chausse-pieds, ça fait plaisir. Faut vraiment faire gaffe aux vibreurs, hein, parce que les vibreurs peuvent vous emmener d'un coup le côté de la piste. Et là, j'ai tellement perdu de temps. Tellement perdu de temps que je vais m'arrêter au stand maintenant. Est-ce que je vais pouvoir purger ma pénalité? Je ne sais pas. Par contre, si je continue tout droit, c'est que j'aurais fait l'erreur de... Ah, bon, au moins, c'est bon. J'ai purgé ma pénalité. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, vous voyez, 20 tours à faire. Juste eu un passage au stand. Donc c'est bon, c'était un drive-through. On va essayer de remonter. Je pense qu'on peut avoir le rythme pour remonter quand même sur les autres. Il faut surtout espérer que les pneus tiennent toute la course, parce que si je dois m'arrêter au stand... 11 secondes de retard sur Weber, donc ça veut dire sur la
Voilà Jaguar. Weber qui débutait, qui en 2003 rejoignait Jaguar du coup. Et on, bah, on remplace un peu Weber hein, finalement, puisque puisqu'il était chez Minardi en 2002. Il avait marqué d'ailleurs 2 points à l'époque en finissant 5ème. Alors il peut y avoir des avaries pour les IA aussi, hein, donc il peut y avoir des abandons, donc pour l'instant il n'y en a pas eu. Voilà, j'ai loupé complètement. Non, par contre, il faudra vraiment faire gaffe la prochaine fois qu'on fait un départ, parce que si c'est pour prendre une pénalité dès la première seconde, c'est un petit peu dommage. 10 contre 1. Je suis complètement raté. Alors je me suis fait un peu avoir par le léger freeze. Freezer a défrisé, go. Allez, on a regagné 2 secondes pour le moment. On va bientôt arriver au premier quart de course. Alors vous voyez, ce qui est dommage, c'est que autant le son du jeu est assez fort, même je pense trop fort, je peux pas le changer, c'est dommage. Autant je n'entends absolument pas ce que me dit le compteur, ça serait mal. J'ai perdu du temps. Voilà. Ah, je pense que je vais retomber à 9 secondes maintenant. Ouais, 9 secondes. Ok, mon meilleur tour, une seconde de mieux. Par rapport à avant, c'est ce que j'ai compris. Alors c'est qu'il y a quelques virages où je suis quand même plus rapide qu'eux. Enfin, en tout cas que les pilotes du peloton, hein, pas forcément des Ferrari. Là, je passe à 6 secondes. Voilà, j'ai rien pour me rebattre avec les autres là. Je vais s'imaginer la difficulté quand on a mis le mode difficile. Et je n'ai absolument pas compris ce qu'il m'a dit. Ouais, on voit le point bleu, enfin le point turquoise, pardon. C'est là où il y a Weber. Et on le voit maintenant, on voit sa monoplace au loin. Ah ouais, j'ai repris énormément de temps d'un coup là. Après c'est facile de revenir quand on est tout seul. Mais quand il va falloir dépasser, ça peut être la même. Oh! Oh le dégueu! Oh le 360! Ouf, ça a été. Ouais, ça aurait pu finir très mal là. Le plus dur, c'est de prendre les bonnes trajectoires. Je me demande si le temps est pas en train de se couvrir légèrement. Il fait un peu gris là. En vrai, ça m'arrangerait pas trop parce que je pense que comme on revient, j'aimerais que ce soit fait à la loyale.
Ouais, pas mal. Ils vont savoir les bons points de freinage. Et le leader est pas si loin, hein, mais non, ils sont à peine dans les droites des stands. Sachant que j'ai fait un drive-thru. Ok. On est revenu derrière l'aileron. On voit qu'en vitesse de pointe. Oh, il y a une Jordan. Il y a une Jordan qui est partie, qui a abandonné. Ah, mais il y a mon coéquipier qui est devant. Lui, c'est lui qui fait le bouchon, en fait. Du coup, il va falloir qu'on se dépasse de lui directement, parce que je pense que... Il tourne beaucoup plus lentement que nous. Alors là, il est en train de m'attaquer derrière. C'est déjà si, oui, ça va mon coéquipier. Alors je sais plus qui des deux a eu un grand accident et est décédé. Je crois que c'est, je sais pas si c'est Fuhrman. Je sais plus. C'est lui ou Fuhrman. On a tendance à les confondre à l'époque en plus. Ok, déplacement tranquille, parfait. Alors j'ai les pneus durs, je sais pas s'il va y avoir un... Waouh, je sais pas s'il va se passer quelque chose au niveau de l'usure. J'ai pas l'impression. Alors Pizzonia est à 5 secondes, Pizzonia il est chez Jaguar. Pas une grande carrière d'avoir Pizzonia en F1. Hein. Il s'est même retrouvé à faire une piche chez Williams, il me semble, en 2004, quand... Ou 2003, je sais plus. Par Schumacher, c'était fait mal. Ça peut être 2004 normalement. On est presque au cap de la mi-course. Finalement, ça va assez vite. On peut dire que la qualification sur un tour, c'est pas ce qui fait prendre beaucoup de temps. Par contre, j'espère que le jeu va vraiment passer à la suite parce que. Si on fait tout ça pour rien, bah au pire vous aurez vu, vous auriez vu ce que c'est un début de championnat, ça serait pas 2003. Hein. Allez, 5 secondes 4, on va essayer de remonter. Pizzonia, il aurait pas fait une erreur là. Bon, les points à l'époque c'était les 8 premiers, d'ailleurs c'était le premier changement depuis les 6 premiers qui sont passés à 8 en 2003. Beaucoup de changements d'ailleurs, mais c'était suite à la saison 2002 catastrophique sur le plan du spectacle. Et du coup, ouais, on a rajouté 2 places dans les points. En plus, ils ont un nouveau format de qualification. Et les Ferrari, d'ailleurs, qui étaient un petit peu en difficulté en 2003, hein, même si le titre a quand même été pour Schumacher. Les Ferrari étaient loin d'être les meilleurs cette saison. Et McLaren, bah, en fait, le fait de ne pas avoir réussi à avoir leur modèle de passer des crash tests, se retrouver avec une version, je crois, une version D de celle de 2002. Et bah, finalement, ça aurait plutôt réussi. Alors, c'était pas forcément la McLaren la plus rapide, mais elle était assez. Assez constante, quoi, assez bonne. Allez, 11 tours sur 20.
Et il ne reste plus que 18 voitures en piste, hein. On est passé de 16 à 20 à 16 sur 18. Elle est rapide quand même, Pizzonia, hein. C'est difficile à aller chercher. C'est pas impossible. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a le rythme, c'est déjà ça. On n'est pas à la rue en dernière position. D'ailleurs... Bon, ça n'a pas trop bougé au niveau du temps. C'est une bonne nouvelle. Allez, ouais, c'est prendre l'intérieur sur Pizzonia. Ouais, ça c'est bon. Et maintenant, devant nous, c'est Heidfeld. Waouh. Sur la Sauber. Mais je crois qu'il y a Frenzen d'ailleurs sur la Sauber aussi en 2003. Qui a fait un podium, je crois. Après, sinon, c'est pas où j'ai eu ça. Qui a pas arrêté sa carrière d'ailleurs. Après cette saison 2003. Ouh, foufou, ça fait de la correctionnelle avec le vibreur là. Ouais, ça s'arrête pas au stand. J'ai pas l'impression que l'IA va s'arrêter. Et en vrai, si j'avais pas eu mon... Oh, c'était passé. Si j'avais pas eu mon breakthrough... Waouh, ça fait là... dans le mur, là. J'ai dit, si j'avais pas eu mon breakthrough... J'aurais peut-être pu être beaucoup plus loin devant là. Et peut-être qu'on serait même dans les points. Il y a une Jordan devant nous. Ah! Ouf! Ouais, faut que je fasse un problème quand je reviens sur la piste parce que. Ben, on peut perdre l'aileron, hein, simplement, si le team nous touche. Alors, vous verrez, au niveau des dégâts, ça pardonne pas. Alors, ça pardonne un petit peu quand on fait une touchette avec l'IA, des fois. Mais alors, les murs, c'est tout arraché d'un coup. Allez, on va attraper Ralph Herrmann. Oh! Ah bah, ok. Bon, l'IA est assez gentil, hein, je trouve. Alors, par contre, Panis, c'est 9 secondes. Ça, c'est difficile à rattraper en 6 tours. Mais bon, c'est jamais, hein. C'est jamais. Bon, en vrai, une 13ème place pour la première course, je serais content. Hein. On parle quand même du Minardi. Derrière Toyota qui est rentré dans leur deuxième saison à l'époque. Qui du coup remplaçait tout leur line-up. Hein. McNish qui était déjà un peu vieux à l'époque. Et Salo, qui aurait peut-être même pu rester finalement chez Toyota un an de plus, même deux ans. Du coup remplacé par Panis et Damata. Et Panis d'ailleurs qui va se remplacer, je crois que c'est en 2004 par Trulli en fin de saison. Et mettre un terme à sa carrière. Allez, 6 secondes, on revient, c'est bien. Pour l'instant, on n'a pas trop fait d'heures. Bon, à part une petite frayeur, il y a un tour de ça. Ça va. Ça aurait pu être pire. Ah, j'ai touché le mur.
Franchement, je crois que c'est la première fois que je lance un championnat avec autant de tours à faire. En général, la moyenne, c'est entre 10 et 15. Là, on est vraiment 5 tours au-dessus. Mais je pense que ça va, hein, ça va tenir la demi-heure, quoi. Ah ouais, il y a pire. Après, c'est pas un jeu prise de tête, hein, à part les potentiels crash. Je veux dire, je vais pas m'embêter. Je vais pas trop m'embêter. Enfin, c'est pas le meilleur jeu du monde, hein, donc faut prendre ça un peu en mode. Ok, on y va. Bah, potentiellement, le jeu va faire n'importe quoi, mais c'est pas grave. On verra si ça passe ou pas. Et pour la fin du Grand Prix, bah, on verra. Soit je résous le problème et je retente, tout en faisant pas la bêtise de mettre sous la pluie. Soit, bah, c'est la vie. Je trouve que je tourne quand même de plus en plus vite. Hein. Une 27-250, c'est quand même énorme. Par contre, ça n'empêche pas que les premiers sont plus rapides que moi. Hein. Ils sont déjà dans au deuxième secteur quasiment. Peut-être qu'on va pouvoir dépasser Panis dans les derniers tours. Une seconde, ça, ouais. Je pense qu'on a le rythme. Ah, pas de moteur pour David Coulthard. Alors, c'est bien, c'est qu'il a dit qu'un pilote est dans les points, mais j'ai pas entendu qui. Non, je suis pas allé, j'aurais peut-être pu, mais j'ai pas tenté. Ouh, ça a lagué un peu. Attention. On est 12e. Donc là, on se bat pour la 11e place. Oh là 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 là, dommage. C'est pas grave. On a encore des possibilités. Il va falloir recoller du coup. Dans la partie lente, je le recolle un peu, ouais. Par contre, en vitesse d'accélération, enfin d'accélération, c'est pas trop ça. Oh, freinage! Oh, bah j'ai bien piqué là. Ouh. Je pensais que j'étais un peu loin, mais parfait. On est 11e. Alors, qui c'est qu'il y a devant nous? Je crois que c'est une sauveur. Bah, c'est Panzen. Donc, du coup, oui, c'est une sauveur. Oh, un top 10, ça serait excellent quand même. Alors, je ne sais pas si le jeu va gérer les IA comme il faut toute la saison ou s'il y aura des hauts et des bas en termes de skill. Aucune idée. Oui, 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 oui. Ah non, 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 non. Ok, bon, il s'est pas laissé faire, Eiffel. C'est pas grave. Allez, on va encore. Il reste plus que 2 tours pour essayer de le dépasser. J'ai un petit peu d'usure, ouais. Pas d'usure, mais de saleté sur la gomme, mais c'est bon, c'est passé. Par contre, je pense qu'il y a un écart énorme. Oh là là, non, mais là, par contre, j'ai fait n'importe quoi. Je pensais vraiment que j'aurais pas dû passer comme ça, mais. Je pense qu'il y a un écart énorme avec le 9e. Ouais, 8 secondes. 8 secondes sur button. On dirait que c'est un peu fichu. Bon, je pense que normalement, on va rester 10e. Ou mieux, s'il y a un abandon devant, hein. On sait jamais. Là, on est qu'à 2 abandons de marquer un point pour Minardi. En 2003, les Minardi, de toute façon, on était vraiment à la rue par rapport aux autres. Que certes, les Jordan étaient en chute libre, mais en performance, j'arrivais quand même des fois à taper, on va dire, le mieux tableau, top 10, enfin, parfois un peu les 10e places, tout ça. Alors que les Minardi, c'était mort, hein, c'était dernier ou avant-dernier.
je me suis raté. Et je suis 9ème. Je suis 9ème. Il y a eu un abandon. Oh, plus qu'une place, peut-être. Et bah, pas l'abandon quand même. On a déjà 5 abandons. En l'espace de 20 tours, ce qui est, je fais plutôt une bonne moyenne. Hein. Bon, je sais de finir la course tranquillement. De toute façon, là, même si je l'évite, ça va être difficile de remonter. 6 secondes de tonne, ouais, c'est un peu fichu. Il y a un autre roulis qui a remporté la course. C'est une blague. Oh, incroyable. Alors. Bon, on va finir à la porte des points en 9ème position. Bon, c'est bien. C'est bien, on va pas se mentir. 9ème place. Je prends. Hein. La course est terminée. Et quelle course ? Donc du coup, Trulli devant Schumacher, Montoya, Raikkonen, Barrichello, Villeneuve marque des points pour Barr, BR, Alonso, 2 petits points pour Renault, Button, 1 point pour BR, et on finit 9ème. Franchement, ça reste du bon résultat, on va pas se mentir, surtout avec le drive-thru. Et du coup, avec quand même eu 5 abandons, Ralf Schumacher, Firman, Coulthard, Damata, Fisichella. Mon équipier finit 14ème, pas dernier, c'est plutôt pas mal. J'espère qu'on va pouvoir passer à la suite. Oui, c'est bon. Ouf. Le Grand Prix de Malaisie peut-être va pouvoir charger. Bon, bah déjà, ça va à peu près dire un truc, c'est que potentiellement, il y aura une suite. Peut-être, hein. Peut-être qu'il y aura une suite. Si évidemment le chargement passe à là. Ok, c'est bon. Bon, ben vous verrez la suite du coup plus tard, hein, bien sûr. Voilà, ben, il faudra s'attendre à ce que le championnat puisse peut-être continuer ou peut-être pas. Enfin, c'est la vie, quoi. Allez, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve du coup pour le Grand Prix de. J'ai déjà oublié. La Malaisie. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.